vous l'avez vu, qui fête ses 3 ans en marocaine avec un bilan de 20 victoires, 8 nuls et... Sans Hakim Ziyech ni Amin Harit, tous deux forfaits, le Maroc bloque ses éliminatoires de la CAN de... Et ce ballon que va tenter de conserver Idriss Oussama. Ballon en cloche pour essayer. El Idrissi qui cherche une solution. Il en trouve une juste à côté de lui avec Abdelkarim Bahadi qui va centrer. Leader du groupe B, déjà qualifié, l'équipe d'Hervé Renard, fortement remanié, vise un quatrième succès du Malawi. Décisive en 26 matchs de championnat à l'image, vous le voyez, numéro 10 d'enjeu effectué par Stanley Sanoudi. Sanoudi qui se fait chipper cette balle par Oussama El Idrissi. Les joueurs du Malawi, on essaye tout de suite de dévier cette balle du côté de Gérald Kayspiri. Sur la poitrine et dans le dos, Oussama El Idrissi. Sanoudi qui perd cette balle. Gérald El Kabi qui est là, le coup franc joué par Oussama El Idrissi, la prise de balle. El Idrissi pour frapper pied droit, ce ballon repoussé. Match, il va falloir être extrêmement réaliste, ça c'est une lapalissade, mais surtout il va falloir éviter justement eh bien, de trop. On revoit ce corner, le premier pour les Lions d'Atlas après 9 minutes. Premier président du Malawi avec finalement un ballon en retrait, ce centre pour trouver El Idrissi, position poussée, et là on cherche immédiatement El Idrissi qui va contrôler pied gauche et avec pied droit maintenant pour essayer de centrer. Ce ballon a été le jeu. Zakaria Draf qui joue en retrait, Abdelkarim Bahadi. El Idrissi. El Idrissi qui travaille pour centrer pied gauche, la tête placée. N'est pas intervenu, ça aurait pu profiter aux joueurs du Malawi, notamment Sherva qui était là, avec le travail d'harcèlement de Zakaria Adraf, bien aidé aussi par les difficultés techniques. Et là, aucun. Avec ce ballon pour El Idrissi. Afidi qui avait retrouvé El Idrissi qui va centrer pour un ballon finalement récupéré. De qualification pour la CAN 2017. Il y a eu une faute qui aurait pu être signalée, mais c'est un contre. Kakoboué bien placé sur ce débordement, le centre d'El Idrissi. Maintenant côté gauche, côté droit. Eh bien, le Maroc arrive à faire la différence. Là, on voit El Idrissi et son centre. Youssef Haït Benasser qui lui a trouvé en relais la possibilité de jouer dans la profondeur. Oussama El Idrissi qui a levé la tête intelligemment. C'est un petit peu inquiet de Abdelkarim Bahadi. Intervention avec faute de Bahadi. Mais pas de faute pour la bonne condition de jeu. Ça va forcément dégrader le terrain. Ça va évidemment être encore plus compliqué. L'agressivité dans l'attaque, John Banda qui est venu enlever cette balle, mais c'est conservé par les joueurs marocains. L'intensité. La tentative de frappe. Aucun dans ce match. Les conditions de jeu sont pas forcément aidantes. Mais dans la torpeur de Blantyre. Ballon qui finalement passe au-dessus des buts. Un prix en deux matchs à domicile par cette équipe du Malawi. Dans ses éliminatoires de la CAN 2019. Au cas où vous... Et elle est venue dès la date qui est rentrée il y a de ça moins de 10 minutes. Avec Abdelhamid.
était moins brillant que l'an passé, lui qui avec un rebond favorable, on peut faire beaucoup de choses. Aïd Bennacer. Ce sera forcément oui. Et Kakoboué qui va dégager, mais c'est immédiatement repris cette balle par cette équipe du Maroc. La présence également de l'Ouganda, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Kenya. Enfin dans le groupe K et L, c'est pareil. Hein. Lors de son dernier déplacement, ils avaient été menés 1-0. Boutaïb avait égalisé avant qu'Amrabat ne donne l'avantage. El Kaabi s'est libéré sur le côté. En tout cas, l'été prochain, ça fait 2 ans et demi au Gabon. Et remporté par le Cameroun face à l'Égypte. Il y a du temps additionnel. Et ce ballon joué par les Marocains. Dernière possibilité. C'est certain qu'il marque des points dans l'esprit d'Hervé Renard. Lui qui avait disputé la dernière CAN. Hein. On l'a rappelé. El Idrissi qui avait pris sa chance.